Et sur la route dans un cirque ambulant où sa mère dansait pour attirer les gens, son père veillait sur toute la troupe, chantait des cantiques et vendait l'élixir du bon docteur Gloop. Voleur bohémien, c'est ainsi que l'on parlait d'elle et de sa famille. Voleur bohémien, et toutes les nuits les hommes lui tournaient autour en espérant l'amour. Elle a ramassé tout près d'Avignon un gentil garçon mais un peu vagabond. Elle avait 16 ans, lui 19 et demi. Et dans la roulotte, son père l'aurait tué s'il les avait surpris. Voleur bohémien, c'est ainsi que l'on parlait d'elle et de sa famille. Voleur bohémien, et toutes les nuits les hommes lui tournaient autour en espérant l'amour. Elle n'a jamais été à l'école, il lui a presque tout appris. Quelques mois plus tard, elle a le cœur qui chavire et son amoureux quitte le navire. Oh, oh, quitte le navire. Oui, oh, oh, oh. Elle est née sur la route dans un cirque ambulant où sa mère dansait pour élever l'enfant. Grand-père veillait sur toute la troupe, chantait des cantiques et vendait l'élixir du bon docteur Gloop. De sa famille. Voleur bohémien, et toutes les nuits les hommes lui tournaient autour en espérant l'amour. Elle est née sur la route dans un cirque ambulant où sa mère dansait pour attirer les gens. Son père veillait sur toute la troupe, chantait des cantiques et vendait l'élixir du bon docteur Gloop. De sa famille. Voleur bohémien, et toutes les nuits les hommes lui tournaient autour en espérant l'amour. Oui. Voleur bohémien, c'est ainsi que l'on parlait d'elle et de sa famille. Voleur bohémien, et toutes les nuits les hommes lui tournaient autour en espérant l'amour.